Et voilà, en direct de l'emplacement 209 du camping Gros Ventre. Donc ça, c'est le camping, on l'a réservé donc à l'avance sur le site recreation.gouv. Ça, c'est notre nuit, mes initiales, le numéro de réservation. Donc en fait, on vous attribue l'emplacement au moment de la réservation. Contrairement à Yellowstone, où ça, on ne le sait pas, on a la surprise. Donc là, on savait qu'on était par ici. Et donc, quand on est arrivé, on allait se faire enregistrer. Et puis voilà. Donc le petit van qui est là. Et donc, comme tous les campings à Yellowstone et Grand Teton, ils sont faits à peu près de la même façon. Donc, vous avez toujours un emplacement pour faire le feu, les s'mores ou le barbecue, table et chaises en dur. Et puis, on retrouve la fameuse boîte à ours, donc dans laquelle il faut faire un peu de gymnastique pour l'ouvrir, et dans lequel vous stockez toute votre nourriture, vos produits et tout. Ça, c'est surtout en tente. Nous, comme on va tout laisser dans le van et qu'il sera fermé, on va laisser ça ici. Donc le camping, en fait, il y a plusieurs boucles. Donc Grand Teton, les Tétons, ils sont par là-bas. Il y a la rivière qui est ici. Il peut y avoir des ours, hein, il y a des panneaux qui l'indiquent. Et puis il y a plein de boucles autour. Donc ces emplacements-là, c'est des emplacements sans électricité. Donc nous, on n'en avait pas. Puis on n'en a pas besoin vu que le van est autonome avec ses panneaux solaires. Et puis voilà, la Marjo est allée en repérage pour les toilettes, parce qu'il n'y en a pas par ici, mais il y en a sur les boucles qui sont un peu plus loin. Voilà, donc on reste ici une nuit, et après on change de camping pour la suite du séjour. Et voilà, et ben allez, à bientôt !